Collectif des directeurs d'écoles privées pour la réforme éducative, CODEPRE, salue présence la presse parlée, écrite, télévisée avec médias en ligne dans la conférence pour la presse. Présence nous la jodia, c'est pour nous attirer l'attention de la population sur le séminaire gratis que CODEPRE, en partenariat avec la Fondation Michelin Nestor, décidé d'organiser pour environ 3000 élèves philo, sorti 16 pour arriver 18 octobre. Si là, les nous considérer quantité jours de classe si moun yo perdi à cause problème politique à COVID-19 là, CODEPRE prend décision organiser grand séminaire ça, c'est dans l'idée pour combler lacune si moun yo gagne en matière yo et puis renforcer capacité yo pour faciliter plus élèves réussir dans examen cap fait 19 octobre. Pour séminaire ça possible, c'est grâce à la Fondation Michelin Nestor à Crève Haïtien qui ban nous un support financier. CODEPRE a profité occasion ça pour féliciter Michelin Nestor pour ça le représenter dans le système éducatif haïtien. Nous avons trois établissements qui disponibles pour recevoir Timounio. Premièrement, centre pédagogique moderne de Pétionville qui trouve le Delma 89 en face sous commissariat Delma 62. Deuxièmement, institution mixte Jérusalem qui est dans Delma 77. Troisièmement, collège français de Baroguito Delma 105 Coutefrère. Do Club Esquina Latina. CODEPRE mettait 200 inscriptions. Centre pédagogique moderne de Pétionville et local Fondation Nestor Michelin qui dans rue La Tortue numéro 14 Delma 48. N'a pas rappelé que séminaire ça la fête gratis pour tout élève philo. Nous pas capable terminer conférence là sans nous pas parler de l'argent communauté internationale là te bail gouvernement joute là pour te supporter l'école privée yo dans moment confinement. Non seulement yo exige directeur yo al fè ak renouvelé patente ouvri compte comme la débloqué ministre Agenor Kader ak ministre finance nan monsieur Patrick Michel Boisvert pour yo té capable détourner comme la yo di patente DGI ba yo pa bon. Yon groupe directeur l'école allé dans DGI yo paye tout frais DGI mandé yo pour faire patente l'école yo. Patente DGI délivré yo, Agenor ak Michel Patrick Boisvert dit patente sa yo pas bon. CODEPRE mandé pour lumière fait pressé sous cob qui te débloqué pour l'école yo. Sinon, CODEPRE a porté plainte contre Premier ministre Jout, Agenor Kader, Michel Patrick Boisvert pour corruption, détournement l'argent qui doit alimenter contre l'école yo. CODEPRE condamné ak toute force li. Ak baba agent USGPN nan fè sou Grégory Saint-Hilaire, jeune étudiant finissant dans l'école normale qui tap mandé intégration yo dans système éducatif la. CODEPRE mandé justice pour Grégory Saint-Hilaire ak tout l'autre monde qui victime en babal bandi sous gouvernement Jovenel Jout la. Merci. Pour poser examen, est-ce que l'estime que le ministère de l'Éducation nationale lui-même va voir la contacter comme événement ça s'est pas réalisé bien longtemps, c'est mon examen. Est-ce que vous pensez que le séminaire organisé là, c'est mon examen qui a pu combler vraiment pour proposer et pour suivre bref? Ça c'est la première question. Oui, des mouvements qui sont annoncés là, par exemple, le mouvement qui est annoncé pour octobre là, surtout ce qui a venu. Est-ce que nous n'avons pas de doute pour le mouvement ça n'a pas réalisé l'examen? Oui, ma réponse première question là. Et ou pas capable combler, ou pas capable et ba un petit monde un programme, me faire un programme pendant qui t'a supposé ouais et dans 10 mois, dans 3 jours. C'est une mise à jour qu'on a fait. C'est ça relé mise à niveau qu'on a fait. OK? Pour capable permettre que ti moun yo mieux orienté yo et dans examen. Que nous connaît que ministère de l'éducation nationale nous félicite le tout qui te voyé ça relé une série de notions essentielles côté que dit que mais qui côté pour nous travailler avec ti moun yo et mais qui côté tout examen a sorti. C'est première fois ça fait même après tremblement de terre ça pas fait. Nous félicite yo pour ça. Je pense que, après, avec le séminaire, ça nous va le faire, côté que nous allons mettre des professeurs compétents et disponibles pour Timounio. Et nous prenons des professeurs qui sont habitués à participer
et comme correcteur dans question d'examen parce que monsieur Sayo lui-même il a gain une expertise en matière d'examen parce que yo chaque période et depuis gain turbulence politique ou bien catastrophe naturelle il toujours il connaît au même qui type d'examen et ministère toujours bail donc à l'aide des pour directeur ça ou bien avec professeur parce que il y a un directeur nous prend qui fait pour tout des inspecteurs nous prend li à la fois inspecteur professeur tout nous prend moun sa yo et yo gen en pile compétence et en pile expérience tout yo capable orienter ti moun son orientation que n'a ba yo même parce que et avec examen ministère pral bay qui à la portée ti moun yo qui côté que yo pral tenir compte des situations qui pays a bay politique parce que politique là li même li te joue un grand rôle nan blocage l'école là il prend 4 mois pour l'école donc on pense que examen ou pral ba la et ti moun yo capable composer et moun k'ap corriger fait yo tout on pense que et y a prend moun qui à la hauteur c'est pas ti pas moun 10 ans mi a bay moun qui pas gagne rien à voir avec l'école y a prend comme ça qu'on habitué fait pour voyer le corriger fait et puis pour sacrifier ti moun yo davantage ça moun kwel on pense que et séminaire nou an et n'a pas les meilleurs et puis timoun yo a pu nasser des bagages pour yo composer. Examen philo est ok. Examen philo a commencé le 19 octobre. Voilà, le mouvement qui a annoncé le 17, est-ce que nous même comme professeur nous pas comme si ça c'est mon travail en vain puisque le mouvement a démarré le 17 après les leaders politiques de l'opposition et ça va risquer quand même déjà par un doute sur les remèdes examen officiel philo. Donc je pense que consciemment et avant toute bagaille et l'idée politique yo doit ouais intérêt timoun c'est intérêt général. L'homme dit intérêt général ça veut dire intérêt pays en général intérêt tout le monde. Je pense que et l'idée politique yo y a fait manifestation yo le 17 mais y a font trêve tout pour que yo capable quitter timoun yo composé dans tout qui étudio après yo capable continuer avec et mouvement ou bien avec mobilisation yo même pense ça et y a fait et me pense que leader politique autour yo gagné petite l'école yo gagné ti famille yo kal l'école yo gagné ti zanmi yo ki l'école et y a fait une preuve de grandeur côté que y a suspend toute mobilisation pour faciliter Timonio participer dans l'examen qui doit le faire 19 octobre. Ça après. On n'est pas support comme madame l'intervention dans le parler de sacrifier Grégory Saint-Hilaire dans l'école normale supérieure. Et en courant, nous, ça qui passe, le fait qu'on ait une bataille étudiante, mais surtout, c'est pour risquer accord au ministère avec l'école normale pour question de nomination. Et nous, dans le système, non. Comment nous voyons ça actuellement et que ça t'a pris fait et plus support qu'on est apporté avec bataille et suivi de justice pour Grégory et puis pour Yves et puis pour tout le monde. D'abord, l'ambassade de l'amour et puis. Pour nous répondre à la question, nous connaissons clairement que Grégory Saint-Hilaire, qui sacrifie en bas agent USGPN, nous-mêmes, Jean-Noël Dildaléa, nous condamnons sacrifie-là. Et sacrifie-là, nous demandons, et nous-mêmes, pour de près, nous prenons toute disposition nous pour nous traduire. Moun yo kote pou traduire pour ak sa pa janm répété encore parce que les étudiants aller l'école aller dans université l'état c'est eux même qui t'a supposé bay ti moun sa yo kote pour que yo mette ça ou te apprendre nan en pour que yo mette ça ou te apprendre nan pour que yo expérimenter mais malheureusement n'a regardé nous c'est pas ça qui fait. Au lieu pour que yo aide ti moun sa yo noue ti moun sa yo c'est la ri yo prend et les yo prend la ri c'est bal yo mette sou yo nous même nous condamner ça et nous pas quitter ça passer comme ça nous même pour Depré collectif des directeurs d'école privée pour la réforme éducative nous voulons une réforme dans système là et dans réforme nous voulons dans système là n'a tient à ce que
pour quel que soit ministre qui là pour que vous intégrer tout étudiant dans le système là. M'a pas ajouté pour me dire si seulement en Haïti nous l'état fin forme au monde et puis la gueule dans la rue. Ça va faire aucun côté. Non seulement l'état investit dans monde là. L'état investit dans où? Si ça l'état met dans tête ou c'est avec ou va remettre l'état comme là. Les dépenser pour. C'est seulement en Haïti nous ça. Nous étudiants ne sont pas supposés à gourmer pour intégrer le système. Là. Si on nous prépare pour ça, nous préparons pour nous enseigner dans la salle de classe. C'est compétence que nous cherchons. Si nous voulons que le système éducatif haïtien, Jean Lié, nous porte amélioration là-dedans, nous avons raison pour que nous soyons obligés à batailler, malgré aussi un protocole d'accord avec l'État haïtien, ministre, à savoir ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas même respecté. Au contraire, c'est vengeance. Alors, il y a fait sur eux, c'est tiré à tirer eux. Or, et la loi pas permettre la police franchir espace université. Comment ils ont IRGPN? Ouais, ça me dit là, c'est pas non petite porte qui passe, c'est un monde qui prend formation vraie, qui t'a connait que il pas gain droit pour lui franchir espace universitaire. Même l'école classique ou pas franchir espace li. Donc nous considérons ça comme des baba et nous même nous demander pour étudiants yo continuer mobilisation hein. Et nous demander directeur l'école yo, nous demander étudiants et université privée yo, professeurs yo pour yo rejoindre étudiants yo pour nous capable mobiliser et pour nous mettre et agence à dans pénitencier pour la payer sans Grégory le faire couler. Merci beaucoup.